Bienvenue les amis pour le live reaction à la bande-annonce de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, le sixième film, dont la critique est sortie, je sais même pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, on verra, mais bon, de toute façon, je la mettrai après la critique, enfin, ça sortira après, c'est après la critique du film, de toute façon, vous verrez, vous verrez. Mais bref, on va arrêter de blablater, on va redécouvrir ou découvrir ça, parce que je crois que je l'avais déjà vu cette bande-annonce, je dis ça à chaque fois, je sais, mais... Je crois que je l'avais déjà vu cette bande-annonce, mais il y a un moment aussi, parce que ce film, je voulais absolument le voir, c'est sorti en 2009, je crois. Je ne l'ai pas vu au ciné, je ne sais plus pourquoi. J'avais 9 ans, je crois, à l'époque. Ouais, j'avais entre 8 ans et 9 ans, je ne sais plus à quelle période il est sorti. Bon, le film, la bande-annonce, je crois que je l'ai vu plusieurs fois, parce que je voulais absolument voir ce film-là, mais malheureusement, ce n'est pas lui, c'est pas ce film-là que j'ai vu au cinéma. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il les revoir au ciné, ces films. Et bon, bref, on va arrêter de blablater inutilement, on perd trop de temps, alors redécouvrons ou découvrons. Mais ça, je crois que j'avais déjà vu. Cet endroit connu de la magie. C'est à la fin, ça. Très noir. Non, je crois pas que je l'ai vu, cette bande-annonce. Je suis pas sûr. Mais c'est fait spécial quand même, en 2009. Je n'arriverai pas à la détruire tout seul. Sans Warner Bros. Ça sent des périodes noires, comme celle-ci, peuvent rapprocher les gens. Prends ma main. Elles peuvent aussi les séparer. Ah si, si, je l'avais vu. Ces filles, elles vont me tuer, Harry. Cette année, Voldemort a choisi Drago Malfoy pour une mission. Le mal va passer de leur monde dans le nôtre. Ouais, c'est vrai qu'ils attaquent. On vit des temps de folie, de folie. Et la plus noire des heures. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Nous attend tous. Dans ma vie, j'ai vu des choses vraiment terrifiantes. Maintenant, je sais que tu verras pire. Oui, si, si, c'était celle-là que j'avais vue, ouais, je m'en rappelle. Ça fait longtemps. C'est toi l'élu, Harry. Prends conscience de qui tu es. Sans toi, le hasard décidera du sort de notre monde. Tu n'as pas le choix. Harry, non ! Tu ne dois pas échouer. C'est terminé. Quand même, il y a des spoils, non? Je dois le faire. Battez-vous, espèce de lâche! Battez-vous! C'est vrai que ça hype. Hein. Purée, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu cette bande-annonce, mon gars. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool. Ouais, c'était celle-là que j'avais vue, mais il y en avait une autre aussi que j'avais vue. Ça fait longtemps, je crois. Il y en a deux ou il y en a trois, je crois, des bandes-annonces du Prince de Sang-Mêlé. Mais bon, ouais, je crois que ouais, celle-là, je l'avais vue, je m'en rappelle. Mais c'est fou, c'était il y a longtemps. C'était. Je sais même pas la dernière fois. Quand est-ce que c'est. La dernière fois que je l'ai vue, je sais même pas. Je m'en souviens même plus, les gens. Bon, bah. Faut rajouter d'autres. Si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, partagez, abonnez-vous, pouce bleu, cloche si vous êtes nouveau, ouais, abonnez-vous, je l'ai déjà dit aussi, c'est pareil. Tipeee, Utip en description, Instagram, Twitter, c'est pareil, on va pas perdre notre temps avec ça. Bon, bon, pour moi, c'est pas trop une perte de temps, mais bon, bref. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et on n'oublie pas, comme d'habitude, Harry Potter, c'est la vie, bien évidemment. Allez, salut !